une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 23 septembre 2023, une date qui m'est assez particulière. Toutes nos excuses pour les différents rendez-vous manqués, cela est indépendamment de notre volonté. Ce samedi, on se retrouve avec en plateau, Habib Arandessi, jeune acteur politique militant au sein de l'opposition. Il sera face à un analyste et chroniqueur politique à la personne de Adrien Tchoumakou. Avec eux, chers amis internautes, nous essaierons d'apprécier le démarrage effectif des classes qui s'est rendu effectif le 18 septembre 2023 dernier. Nous essaierons de voir si la rentrée a été effective dans toutes les écoles sur toute l'étendue du territoire national. Nous parlerons également de cette propagation d'un sentiment anti-français sur le continent noir. Nous en parlerons également au cours du décryptage de ce matin. Nous parlerons également des coups d'État au Niger et au Gabon. Chers amis, internautes, avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses sites à Cotonou, notamment à Gbendjoumédé et à Kpakpa. Nous avons également à Boumekalavi et Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbendjoumédé, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Infoline. ESAE Gbendjoumédé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi. Au plus 229 52 88 44 44 Parakou. Au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Adrien Tchoumakou. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nos côtés ce samedi matin. Bonjour à vous, Habib Arandessi. Merci d'avoir bravé la pluie et d'être là ce matin. Bonjour Kader, bonjour Monsieur Adrien et bonjour à ceux-là qui nous reçoivent en ce moment. Bonjour Habib Arandessi. Bonjour, bonjour chers invités. Alors Adrien Tchoumakou, le 18 septembre dernier, c'est-à-dire le lundi dernier, les écoliers, les élèves et également les étudiants ont repris le chemin des classes et des cours d'entrée de jeu en tant que journaliste et analyste politique. Dites-nous, quel est le constat qui est fait à votre niveau? Monsieur Kader, merci de m'avoir invité. D'abord, je voudrais rendre un vibrant hommage au premier responsable de votre chaîne de télévision en ligne. Je veux parler de ESAE TV. Bel et bien, je parle de M. Adesina. Merci, puisque ce n'est pas facile hein, d'entreprendre une entreprise de presse, même s'il s'agit d'une entreprise de presse école. Vous savez, la rentrée scolaire, la rentrée universitaire a démarré sur tout l'étendue du territoire national le 18. C'est bien, bien le 18, hein, tout à fait, 18 septembre dernier. Septembre 2023. Ça a démarré sur tout le territoire national. Le gouvernement a fait le constat, les chaînes de télévision, écoutez, la chaîne Mail, l'ORTB a fait ses reportages, nous avons suivi. Il y avait les organes de presse privés aussi, du secteur privé, qui ont fait leurs reportages, on a suivi. Mais il faut dire que tout n'est pas rose. La rentrée, oui, la rentrée a démarré le 18, mais toutes les écoles, tous les établissements n'ont pas repris. Ça, il faut être honnête, il faut le dire, parce que le constat est vraiment amer. Parce que, vous savez, quand vous allez, par exemple, dans les zones où le gouvernement même a annoncé pour parler d'alerte rouge, c'est que je veux parler de Malanville, Karimama, Tchaourou et Bonou et consorts. Même au sud du Bénin, ici, il y a des endroits qui sont inondés.
Et si vous suivez un peu l'actualité, vous devez vous en rendre compte que le président, je veux parler du secrétaire général de la COSI Bénin, je vais nommer son Excellence M. Tchadaré, était monté au créneau à travers un entretien, une interview que Fraternité lui a accordée. Et il disait que oui, lui, il a démarré. Et au CGB Gamin, il vient de donner un coup, mais qu'il a reçu beaucoup d'appels, des appels téléphoniques qui font état de ce que la rentrée n'est pas effective un peu partout sur tout le territoire national. Et pour cause? Pour cause. La cause, elle est très simple. C'est dû aux aléas climatiques. Et vous savez, moi, je dis que je ne comprends pas pourquoi on veut toujours uniformiser le calendrier scolaire au calendrier de la sous-région ou au calendrier africain. Écoutez, avant, vous et moi, quand nous étions au cours primaire, la rentrée scolaire commençait quand? C'était bel et bien en octobre, pour ne pas parler du 28 octobre vers la fin du mois d'octobre. Mais à un moment donné, on a constaté que sous l'ex-président Yahya Boni, c'est revenu au temps de la première quinzaine du mois d'octobre. Et maintenant, des ministres du gouvernement Patrice Talon, pour faire plaisir au chef de l'État, ont tout mis en œuvre pour pouvoir uniformiser. Pourquoi vous estimez que c'est pour faire plaisir au chef de l'État? Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas de raisons fondées qui justifient? Il n'y a pas de raison fondée, il n'y a pas de raison. Écoutez, il n'y a pas de raison fondée parce que on sait bien qu'en septembre, il y a la pluie au Bénin, plus mais précisément. Mais à cause de la pluie, on va commencer à rentrer en septembre. Est-ce que à Tchaourou, est-ce que à Malanville, à Karimama, sur tout le territoire national, la rentrée est effective maintenant? Mais Adrien Toumakou, c'est le SG qui le dit. Je reviens dans un instant avec une question assez précise par rapport à ce démarrage effectif de la rentrée en septembre. Mais Habib Arandessi, vous êtes quand même jeune acteur politique. Vous, est-ce que le constat est le même tel que celui d'Adrien Toumakou qui estime et qui nous rapporte au cours de cet entretien que la rentrée n'a pas été effective sur l'ensemble du territoire national? Je pense que le constat est le même et je profite de ce canal pour rendre hommage aussi aux parents d'élèves qui ont tout mis en œuvre pour envoyer, pour faire la rentrée à leurs enfants, parce que nous connaissons un peu la situation socio-économique du pays. Et donc, je sais que ce n'est pas facile pour un parent aujourd'hui de faire la rentrée à son enfant. Alors, par rapport au constat, je pense que depuis des années, c'est le même constat. Et c'est là que je dis, est-ce que l'éducation est réellement une priorité pour nos dirigeants? Parce que chaque année, il y a des écoles, il y a des zones où les enfants ne commencent pas à l'école. Ils ne commencent pas à cause des aléas, à cause de la pluie. Monsieur Adrien disait quelque chose tout à l'heure de très sérieux. C'est comme si on ne tenait compte de rien du tout. On veut plaire peut-être au chef de l'État ou bien on veut copier les autres de la sous-région en ramenant la rentrée en septembre. Alors que la septembre, c'est une période de pluie. La rentrée, là, la période de septembre, de août jusqu'en septembre, fin septembre, même la première quinzaine du mois d'octobre, c'est la pluie. Et nous, tant que le gouvernement, en temps normal, si le gouvernement avait pris des mesures pour que ces écoles qui sont très souvent inondées ne le soient pas, on pouvait comprendre. Mais le constat est le même. Rien n'a changé. Non, quelles mesures? Puisque c'est toujours les mêmes écoles qui sont inondées. Si ces mesures étaient prises, nous allons parler d'une rentrée... Mais est-ce que ces inondations ne sont pas dues à leur position géographique? Mais justement, est-ce que ces inondations ne peuvent pas être combattues? Est-ce qu'on ne peut pas combattre ces inondations? Est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures pour que ces écoles ne soient plus inondées? La réponse est oui. Alors, si on veut, coûte que coûte, que la rentrée commence en septembre, je pense, a priori, qu'il faut prendre des mesures pour que toutes les écoles... tous les enfants, quel que soit là où ils se retrouvent, aillent à l'école au même moment. Sans quoi, il faut choisir une date qui permet à tout le monde quand même d'être au même niveau. Donc, les mesures ne sont pas prises et pourtant, on lance une rentrée. Et très souvent, les dirigeants ne parlent pas des écoles qui n'ont pas repris.
On part toujours, on fait circuler les caméras vers ceux-là, on lance même une rentrée. Alors que dans d'autres zones, la rentrée n'est pas effective et c'est une discrimination. Et l'éducation est un droit absolu et consacré par notre constitution. Et au moment où certaines personnes, bien certains enfants commencent l'école dans certaines zones, d'autres ne commencent pas. Et je me demande comment ils s'arrangent pour que tout le monde aille en vacances ensemble. Ça c'est une belle interrogation. Voilà. Adrien Tchoumakou, c'est vous qui avez quand même ouvert quand même cette boîte là, qui quand même fait observer ce constat quand même assez inquiétant où au cours de cette rentrée en septembre, on note que de part et d'autre, il y a des apprenants qui ne sont pas en mesure de démarrer effectivement les cours en raison de situations d'inondation. Mais dites-nous, est-ce que d'octobre à juin, est-ce qu'il n'y a pas de pluie durant toutes ces mois-là? Monsieur Kader, il y a de pluie, mais c'est à des degrés divers. Vous savez, quand vous mesurez un peu la pluviométrie, écoutez, nous sommes en septembre. En septembre, une chose est claire. Le mois de septembre, c'est un mois au cours duquel la pluie s'abat sur tout le territoire national. Actuellement, vous pouvez appeler ceux qui sont à Tukuntuna, à Malavie, à Boïkon, à Karimama, à Zogbo, on vous dirait qu'il pleut. Il pleut. Il pleut parce que c'est une période où la pluie doit tomber sur le sol. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement aurait bien fait de maintenir, il y a des dates classiques, c'est-à-dire les 15 octobre. Écoutez, nous sommes actuellement aujourd'hui, on est en septembre, nous sommes au début de la deuxième quinzaine du mois de septembre. Si nous sommes au début de la deuxième quinzaine du mois de septembre, c'est que la pluie doit s'abattre sur tout au moins normalement sur 3 semaines. C'est 3 semaines pour ne pas parler de 4 semaines. Écoutez, pourquoi ne pas accepter que la rentrée démarre après le 15 octobre? Et là, on sait que oui, après la pluie, c'est le beau temps. Les gens veulent mettre tout en œuvre pour montrer au chef de l'État que nous sommes en train de respecter un calendrier sous-régional. Moi, je suis contre ça. Et je l'ai dit, je le dirai toujours. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il pleut aussi dans la sous-région. Vous dites? Il pleut aussi dans la sous-région. Il ne pleut pas dans la sous-région, un peu partout. Les aléas climatiques divers d'un pays à un autre, d'un département à un autre, d'une commune à une autre. Et au regard de ça, on doit s'adapter au cas réel du Bénin. Vous savez que moi, je suis friand des enquêtes. J'ai eu à échanger avec des experts, des techniciens en la matière, des climatologues. Écoutez, je ne vais pas vous avancer des noms ici, mais des climatologues m'ont dit, et ils ont fait cette suggestion, aux deux ministres, c'est-à-dire au ministre des enseignements maternels et primaires et au ministre des enseignements secondaires, de la formation technique. De la formation professionnelle. Écoutez, on leur a fait la suggestion de ce que le mieux, c'est de démarrer la rentrée au 15 ou 14, voire 16 octobre 2023. Mais pourquoi ne pas écouter ceux-là? Moi, je pense que c'est l'idéal. Ce qu'il faut dire... Mais il y a un calendrier à respecter. Écoutez, le calendrier à respecter dont vous parlez, c'est ce calendrier, en réalité, qui pénalise les acteurs privés, ceux qui ont des écoles privées. Et vous, si vous suivez très bien... Les privés ou les publics? Parce que les privés, généralement, ne sont pas inondés. Écoutez, ce que je veux vous dire, quand la rentrée étant lancée, c'est un calendrier. Le privé qui paie énormément l'enseignant, qui paie conséquemment l'enseignement, doit savoir que c'est vrai que le gouvernement aussi, avec... La revalorisation salariale et consorts, on a constaté qu'il y a une amélioration salariale. Donc des efforts fournis. Des efforts fournis par le gouvernement, ça, je salue au gouvernement, je salue pas ça le gouvernement. Mais ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que le constat amer, c'est que on constate qu'à la fin de l'année scolaire, les privés sont soumis à ce qu'ils doivent encore payer un mois complémentaire. Vous avez vu le communiqué du ministre de l'enseignement maternel et primaire et celui, le communiqué du ministre celui qui a remplacé Chabi Kouarou là. Yves Chabi Kouarou. Yves Chabi Kouarou. Mais
ça veut dire quoi? L'enseignement secondaire. On veut tout mettre en œuvre pour contraindre le privé qui ne vit pas les péripéties que traverse aujourd'hui le public à payer des monuments supplémentaires. Et écoutez, la rentrée a démarré 7 à des endroits donnés. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? Vous avez effectué une enquête? Moi, j'en ai effectué. De sources proches, je vais vous donner un seul exemple. Et vous allez comprendre la dangerosité de ce que nous vivons à des endroits donnés. C'est vrai, je reconnais que le gouvernement fait beaucoup pour notre pays. Allez-y, très rapidement. Le gouvernement fait beaucoup pour notre pays. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? La dangerosité, c'est quoi? Le gouvernement Patrice Talon, par exemple, qui a tout mis en œuvre pour pouvoir ouvrir un collège à Djagbo. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Un collège à Djagbo, je vous dis. Le CG d'Adjagbo, qui est ouvert depuis quelques années, où il n'y a que 8 salles de classe. C'est-à-dire, c'est pour le premier cycle. 6e, 5e, 4e, 3e. Cette année, par exemple, alors que plus de 300 élèves reprennent la classe de 6e, le directeur départemental. 300 doublés, c'est ça? 300 doublés. Mais c'est la norme. Tout le monde ne peut pas passer à la fois. Mais 300 élèves doublants. Non, écoutez, il faut vous renseigner de l'effectif d'abord. 300, ce n'est pas doublant, ce n'est pas encore rien. Je vous dis, cette année, par exemple, le directeur départemental a fait envoyer 875. Je pèse bien mes mots, hein, c'est le chiffre officiel. 875 élèves classés au CG à Djagbo, de nouveaux élèves, alors qu'il n'y a pas de salle de classe. Comment les élèves vont-ils vivre? Comment les élèves, ils vont s'asseoir sur quoi? Si déjà les nouveaux élèves de l'année dernière s'asseyaient sur des tables blancs qui devraient contenir... Il y a 300 blancs. Écoutez, plus, ça veut dire plus de 1175. C'est parti en 8 salles. Est-ce que c'est 8 salles? Puisque au même moment, il y a la 5e qui doit faire cours, la 4e qui doit faire cours, la 3e qui doit aller au BPC qui doit aussi faire cours. Autrement dit, le constat c'est quoi? C'est que c'est plus fort même que le mot de parler de classe volante. Les classes volantes, on va trouver un mot plus approprié, plus que ça. Les élèves vont s'asseoir sur des briques. Vont-ils s'asseoir sur des briques pour étudier? C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup, mais la réalité est tout autre. Il faut reconnaître ça. C'est pour demander déjà aux personnes de bonne volonté, à tout acteur politique, M. Ahanesi, qui est membre de l'opposition, je ne sais pas si c'est de MPL ou démocrate, est-ce que les démocrates, la mouvance présidentielle, ceux de la mouvance présidentielle de l'opposition vont toujours attendre le gouvernement? Ne vont-ils pas aller construire des modules de classe au CG d'Adjagbo? Sauvons le CG d'Adjagbo. Ces élèves vont-ils s'asseoir sur des briques? Que voulez-nous faire de notre éducation? Merci à vous, Adrien Djomakou. On aura entendu assez votre cri de cœur. Je voudrais déjà dire à M. Adrien que ce n'est pas le rôle de l'opposition de construire des écoles. C'est bel et bien le rôle de l'opposition. Ça peut se faire. Parce que si les enfants ne grandissent pas, les enfants ne peuvent pas venir voter pour vous. C'est très capital. Il faut éduquer les enfants afin que les enfants soient polis, éduqués. S'il vous plaît, le rôle de l'opposition n'est pas d'aller construire une école dans une commune. Nous sommes des hommes politiques. Mais l'opposition peut le faire. Non, attendez d'abord. Nous sommes des hommes politiques et nous sommes des militants. Nous avons déjà fait des années de militantisme. Et chaque expression a son contenu. L'opposition politique, ce n'est pas son rôle d'aller construire une école dans une commune. L'État est le pouvoir central. Reçoit des moyens venant de nous tous, nos cotisations, nos droits directs et indirects pour construire des écoles. Le rôle de l'opposition, c'est de critiquer, c'est de mettre la pression, c'est de dénoncer. Parce que ce n'est pas l'opposition qui a le pouvoir. Et maintenant, si je voudrais finir. Maintenant, vous pouvez demander aux bonnes volontés
qui ont des moyens et qui peuvent faire des dons d'école. Ça, ça n'engage pas l'opposition. J'ai vu dans ce pays Monsieur Vodon Désiré qui a fait construire des écoles. J'ai vu Adjavon qui a construit des modules de classe. Ça, c'est des bonnes volontés. Ça n'a rien à voir avec l'opposition politique. Vous pouvez demander à l'État, le CE de Glo Digbé ou bien de Glo est dans telle situation. D'Adjabo est dans telle situation. C'est à l'État de prendre les mesures. C'est au pouvoir central de prendre des mesures. Revenons à ce que dénonçait Monsieur Adrien, parce que le contenu de cette dénonciation, je suis d'accord. L'école aujourd'hui en République du Bénin se porte mal. L'école se porte mal. Il faut avoir le droit. Non, mais c'est les programmes qui sont enseignés ne sont pas adéquats. Écoutez, l'école aujourd'hui ne se porte pas bien et nous sommes tentés même de dire que l'école n'est pas une priorité. Pourquoi? Parce que, lorsque vous avez un collège, je vous donne un exemple. Il y a des exemples terre à terre, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Oui, lorsque vous avez un collège comme celui d'Adjabo, dont M. Adrien parlait tout à l'heure. 875 nouveaux élèves. Qui a une capacité peut-être de 300 personnes. Je donne un exemple. Et qu'on envoie l'État même, le pouvoir central même, transfère plus de 800 élèves. Alors que c'est l'État qui est garant. C'est l'État qui a construit le collège. Et l'État connaît la capacité de ce collège. Et pourtant, envoie plus de 800. Ça veut dire quoi? On veut faire comment? C'est que les mesures ne sont pas prises. C'est que c'est de la pagaille, c'est du désordre. Vous savez que l'école n'a pas cette capacité. Et il y a plusieurs exemples. Ça, ce n'est qu'un exemple. C'est ce dont M. Adrien a connaissance. Sinon, c'est plein dans le pays. Et dans le même temps... Ça ne vous arrête pas. Hein? Vous pouvez aller vérifier les chiffres. Hein? Ce que Mario dit, c'est officiel. Oui. Vous pouvez aller voir le directeur départemental. Vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez aller faire une enquête à l'école. Oui. Vous avez tout simplement dit ce qui est. Ouais, c'est la vérité. Et face à ce qui est, on n'a pas besoin de faire débat. Je suis d'accord avec vous. Il faut sauver le sujet d'abord. C'est partout aujourd'hui, cette situation. Et dans le même temps, vous allez constater qu'on investit des milliards dans des domaines. Et je me demande... Quel est le résultat qu'on attend? Parce que l'éducation, c'est la base. Même au niveau du système, chaque fois quand je viens sur ce plateau, quand on veut parler du système éducatif, vous connaissez un peu ma position. Et on reviendra tout à l'heure sur le point du sentiment anti-français, pour mieux parler même du système éducatif béninois. Je passe par ce plateau pour dire l'école est une priorité. L'avenir de nos enfants dépend de comment l'école se porte. Si nous voulons des citoyens de qualité, des dirigeants de qualité, nous devons investir dans l'éducation à la base. Abib Arnesi, voilà. J'ai une question à votre endroit avant de revenir vers Adrien Djoumakou pour conclure ce point de cet entretien-là. Est-ce que vous aussi, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut déplacer la rentrée de septembre pour octobre? Est-ce que vous pensez que le fait de déplacer la rentrée pour octobre règle le problème des inondations dans les cours des écoles? Voilà. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut déplacer la date de la rentrée, du moment où Mais est-ce que ça règle le problème? Ça règle le problème en partie. En partie? Oui. Mais pas totalement. Non, mais justement... Durant juste une période, de la rentrée. Si j'ai deux problèmes ou bien trois problèmes, et que j'ai la possibilité de prendre une mesure pour régler jusqu'à deux problèmes sur trois, je vais laisser garder les trois problèmes. Je parle terre à terre. Nous avons un problème d'inondation. Nous savons que la période d'août jusqu'en septembre, fin septembre, c'est une période de crue, mon Minondor. Je le dis en fond. C'est une période de c'est-à-dire, il y a l'eau là, est au haut niveau, un peu partout au Bénin. Avant de venir ici, ce n'était pas facile pour moi. Et les enfants, regardez les enfants. C'est-à-dire, et chaque année, vous avez des pertes en vies humaines. Chaque année. Pertes en vies humaines. Oui. Des petits enfants. Des témoignages, des statistiques. Mais le gouvernement a annoncé officiellement qu'il y a des morts à Bonou. Vous avez suivi le communiqué officiel du ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique qui a alerté la zone rouge.
qui a parlé de Karimama, de Bonou, de Sanilado. Et dans ce communiqué, on nous a parlé de 2 mois, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour dire que le gouvernement même reconnaît qu'en période de crue, qu'en période, c'est vrai, moi j'avais accusé le gouvernement en ce temps parce qu'il y a des experts, il y a des techniciens, des gens qui pouvaient renseigner le gouvernement, ou du moins qui avaient renseigné le gouvernement, mais la disposition n'avait pas été prise à temps. Parce qu'il aurait fallu que le procureur de Kandi monte au créneau pour parler de ceux qui ont trouvé la mort lors du chavirement. Vous savez qu'on a bloqué, il y a blocage entre les deux frontières, frontières du Niger, frontières du Bénin. Et des gens contournent par la voie fluviale pour pouvoir se rendre à Gaya, à Dosso, au Niger. Et ils ont trouvé 2 morts. Et c'est suite à la déclaration du procureur de Kandi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est monté au créneau pour nous faire savoir qu'il y a montée des eaux, puisque le fleuve Niger qui monte, qui déborde, qui fait des ravages. Écoutez, allez par exemple à Tchaourou, c'est des ravages. Les cultures vivrières aujourd'hui sont à l'eau. On ne peut rien espérer de là. Ça, c'est juste une parenthèse. Non, oui, donc, donc il s'agit, et c'est, moi, je parle plus des enfants, l'école primaire. Hein, imaginez la vie de ces enfants. La santé de ces enfants. La santé de ces enfants. Imaginez le risque que courent ces enfants. Et donc, puisque les mesures, peut-être que l'État n'a pas les moyens pour régler ce problème dans l'urgence, mais il y a une solution terre à terre, simple. C'est de déplacer tout simplement la rentrée. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et je ne sais pas depuis quand, hein, sinon, nous quand on était au collège, même au cours primaire, au collège, la rentrée c'était en octobre. C'était en octobre. Voilà. De toute façon, le gouvernement suit de très près quand même cette situation. Il est très préoccupé. En quoi la dernière sortie, on sent quand même que le gouvernement est préoccupé par la situation. On espère peut-être que dans les jours à venir, il y aura quand même des mesures fortes qui seront prises afin quand même d'atténuer un peu les effets que ces pluies diluviennes là nous causent pour une rentrée aisée de nos différents apprenants. Alors, l'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est lié quand même à ce sentiment anti-français. Non, bien avant, c'est très important que... Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Oui. C'est une précision. Oui. En fait, je l'ai dit à l'entame tout à l'heure, Arandessi est venu, il a balayé du revers de la main, mais j'insiste sur ça. Il est très capital. Vous savez, la ressource humaine est très importante. C'est inadmissible que l'opposition, que la mouvance, je veux parler des partis politiques. Vous savez, le pouvoir central est là pour tout le monde. Le pouvoir central, je veux parler du gouvernement, a l'obligation de nous sécuriser, de nous donner à manger, de faire tout pour nous. Mais nous-mêmes, nous devons faire quelque chose. Autrement dit, que les gens soient de la mouvance ou de l'opposition. Oui, est-ce que c'est le rôle de l'opposition? Écoutez, je vais vous poser une question terre à terre. Allez-y. Parce que dès que vous posez le problème, si je vais dans le même sens que vous, nous allons embrouiller l'opinion. Parce que les gens n'ont pas été beaucoup à l'école pour comprendre certaines choses. Mais Abib, est-ce que c'est, s'il vous plaît, oui. Est-ce que c'est de rôle de... Est-ce que les gens vont mourir d'abord? Laissez-moi finir. C'est comme si, par exemple, vous jouez votre rôle de citoyen. Sur ce plateau, nous avons dénoncé le fait. C'est votre rôle. Si moi, je me mettais devant ce micro, je vous demandais, vous, monsieur Adrien, allez construire des écoles. C'est votre rôle. Est-ce que c'est le rôle de l'opposition? Abib Arandessi, on a au Bénin aujourd'hui des modules de classe qui portent le nom de certains honorables députés, qui portent le nom de certains maires. Est-ce que c'est quand vous serez
élu maire que vous allez construire non, pour la population. Est-ce que c'est parce que justement, vous l'avez dit. Et dans mes propos tout à l'heure, attendez s'il vous plaît. Pourquoi au sein de l'opposition, vous ne vous cotisez pas Non, pour soutenir. S'il vous plaît. Parfois. Vous avez dit tout à l'heure, et c'est pourquoi je voudrais en même temps éclairer l'opinion. Je ne vais pas vous laisser dire ce qui est gauche et faux. Non, ça c'est selon vous. S'il vous plaît, l'opposition, une opposition politique dans un pays n'a pas pour rôle d'aller construire une école dans une commune. On ne parle pas de s'il rôle. S'il vous plaît, je finis. Est-ce que vous savez que... S'il vous plaît, je vais finir. Vous allez répondre. S'il vous plaît. Vous allez répondre. S'il vous plaît, je vais finir. Le rôle d'une opposition politique dans n'importe quel pays au monde n'est pas d'aller construire une école dans une commune. C'est le rôle du pouvoir central. Maintenant, des bonnes volontés, et ça n'a rien à voir avec leur fonction politique, des députés peuvent se lever, prendre leur propre sou et aller aider une population en détresse. Ça n'a rien à voir avec leur fonction de député. Mais ils vont récolter la guerre politique. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Ne vont-ils pas récolter la guerre politique? Non, ce n'est pas une question de guerre politique. Je précise, un opérateur économique, un enseignant, un travailleur, un député, un ministre, on peut commencer par y mettre certaines considérations, peut se lever de son propre chef avec son petit moyen et aller construire une école. C'est une bonne volonté. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit député ou bien qu'il soit opérateur économique. Nous avons vu Sébastien Adjavon construire des modules de classe. Ça n'a rien à voir avec Sébastien Adjavon en tant qu'opérateur économique. C'est la personne de Sébastien Adjavon qui a décidé d'aider les gens. C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on embrouille l'opinion publique en disant que les démocrates, l'opposition, tout ça là. Vous pouvez intéresser des gens, ils ont peut-être les moyens, aidez-les à construire une école ou bien à avoir les moyens. Pour vous, le rôle de l'opposition, c'est le bavardage. Non, vous pouvez, c'est vous qui le dites. La première des choses, le rôle de l'opposition dans tout pays, nous avons été à l'école. Non, c'est le seul rôle. S'il vous plaît, son rôle. C'est le seul rôle. S'il vous plaît, dans le cas d'espèce, le rôle de l'opposition, c'est de dénoncer. Et c'est tout. S'il vous plaît, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce que j'ai constaté qu'on veut embrouiller l'opinion. Moi, je ne suis pas sur un plateau. On va créer de la confusion dans la tête de nos compatriotes. Le rôle de l'opposition dans le cas d'espèce, quelque part où il n'y a pas d'école, quelque part où il y a d'inondation et autres, le rôle de l'opposition, c'est de dénoncer et de dire au pouvoir central les moyens dont vous disposez. Adrien, tu m'as coupé, s'il vous plaît. Mais lorsque vous dénoncez et que l'État central ne réagit pas, qu'est-ce que vous faites? L'État central doit réagir. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez des députés, vous avez des maires? Non, s'il vous plaît. L'État central doit réagir. Mais lorsqu'il n'y a pas une réaction prompte. Le fait qu'il n'y a pas une réaction est à dénoncer aussi. Bon, je vous pose une question. Je vous viens. Lorsque vous êtes quelque part et qu'il y a eu un accident et qu'il y a quelqu'un peut-être qui est entre la vie et la mort, vous avez appelé les sapeurs-pompiers. C'est parce que les sapeurs-pompiers ne sont pas encore là que vous allez laisser la mourir. Le fait, s'il vous plaît, le fait d'appeler les sapeurs-pompiers, le fait d'apporter une assistance à cette personne en danger n'a rien à voir en réalité avec ma fonction politique. Merci à vous. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde peut le faire. On va écouter. Je ne peux jamais vous laisser entraîner la fonction d'une opposition politique dans ça. C'est une manière de créer de la confusion. C'est votre perception de l'opposition. Non, ce n'est pas une perception. C'est votre perception. Dites-moi là où vous avez lu. Moi, je peux vous donner des documents. Adrien, tu vas pouvoir vous répondre. Adrien Tchoumakou, allez-y très rapidement, parce que j'ai un autre sujet qui nous réunit ce matin. Très rapidement. Merci, M. Kadier. Je salue la prompte réaction de mon grand frère, Abiba Khandessi. Non, je suis votre petit frère. Je suis votre jeune frère. Écoutez, quand je dis grand frère, c'est une manière de vous dire que nous sommes là pour servir le peuple. Mm. En fait, ce que moi je pense, c'est quoi? Faut-il... Écoutez, quand Abib parlait d'abord tout à l'heure, il disait que c'est bel et bien le rôle du pouvoir central de construire des écoles, de mettre tout à la disposition de tout le monde. Oui, je comprends. Mais ce qu'il faut dire et ce que je pense, c'est quoi? Je pense bien que, écoutez, Monsieur Habib, depuis que la rentrée a commencé, vous allez me dire peut-être que c'est trop tôt. Puisque vous disiez tout à l'heure que l'opposition est là pour dénoncer, l'opposition a dénoncé quoi? Par rapport à la rentrée scolaire. C'est une question. Est-ce que les députés à l'Assemblée nationale, c'est les démocrates qui représentent l'opposition aujourd'hui,
je pense n'avoir pas encore entendu parler d'une question orale relative à la rentrée scolaire. Donc, ça veut dire déjà que, qu'on veuille ou pas, l'opposition est en retard. Non, mais sur certains points. Ce n'est pas fini. Tout au moins, j'ai entendu le secrétaire général de la COSI Bénin qui est dans son plein droit de réagir, de donner son point de vue, de faire des suggestions, des suggestions et de tirer des conclusions. Il est vraiment objectif dans ses propos. Est-ce que quand la rentrée scolaire, puisque vous venez de soutenir ma thèse, qui fait état de ce que la rentrée devrait démarrer tout au moins après le 15 octobre, ou du moins quand même en octobre. Est-ce que l'opposition ne savait pas que la date de la rentrée scolaire était fixée au mois de septembre, plus précisément le 18 septembre? L'opposition a-t-elle réagi? Nous avons quelle opposition au Bénin? Voilà, je peux, quelle opposition dit quoi concrètement? On voit sur les réseaux sociaux et le sébrissime homme, je vais parler de son excellence Boni Yayi, ancien chef d'État béninois, ancien chef du gouvernement, guitare à la main, chanteur aujourd'hui, footballeur demain, met tout en œuvre, qui est devenu même activiste sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que Boni Yayi, président d'honneur du Parti Les Démocrates, a-t-il depuis ce temps poser la problématique? Alors, La réponse est non. L'opposition au Bénin est vraiment passive. Je vous réponds. L'opposition est passive au point où nous ne pouvons pas accepter que des gens soient tout le temps sujettes à les aux conséquences, que des gens ne peuvent plus mettre la main dans je ne sais quoi, avant que l'opposition ne vienne. Alors, à leur rescousse. Merci, Adrien, tu rapidement. L'opposition est en retard et l'opposition doit savoir raison garder. Je vais répondre à monsieur. Il faut que l'opposition agisse en plein temps et à tout moment. Laissez-moi vous répondre. Vous n'êtes pas de l'opposition. Bon, je ne suis non plus de la mouvance. S'il vous plaît, permettez-moi de répondre. Je suis journaliste, permettez-moi de répondre. Permettez-moi de répondre. J'aime cette manière de sauter d'une affirmation ou bien d'une position à une autre. Parce qu'au début, vous avez tenté faire croire sur ce plateau à l'opinion que l'opposition avait pour rôle, c'est-à-dire au-delà de la dénonciation de ces gens de fait, qui est le rôle de l'opposition, la pression à l'État central, la pression au système en place pour que les choses soient réparées. Vous avez tenté de faire croire que l'opposition a autre rôle au-delà de cette dénonciation. J'ai corrigé ça là d'abord, parce que nous sommes sur un plateau d'intellectuels. Maintenant, s'il vous plaît. Intellectuellement, la pensée n'est pas unique. S'il vous plaît. Soit on passe à un autre sujet. Non, laissez-moi continuer. L'opposition n'est pas là seulement pour dénoncer. S'il vous plaît. Il faut que l'opposition fasse des critiques objectives. S'il vous plaît. Et quand on parle de critiques objectives, Il est normal que l'opposition, après dénonciation, merci, Adrien, fasse des propositions. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Habib, allez-y très rapidement. S'il vous plaît. Amener le pouvoir central à se corriger, s'il vous plaît. Je voudrais encore corriger, parce que tant que vous allez évoluer dans ce sens, vous allez commettre toutes des erreurs. S'il vous plaît, permettez-moi de répondre. Oui, mais allez-y. Alors, dans vos propos. Si vous continuez dans ce sens, vous allez toujours commettre les mêmes erreurs. Je ne comprends pas. L'opposition n'a pas. S'il vous plaît. Vous ne voulez pas. Est-ce qu'on peut me laisser parler, s'il vous plaît? Oui, depuis vous dites la même chose. Non, je ne dis pas la même chose. Vous ne me laissez pas parler. Vous l'avez dit que pour vous, c'est pas adéquat. Non, vous ne me laissez pas parler. Au moment où il parlait, je lui ai donné le temps de s'exprimer. Vous me laissez aussi parler. C'est frustrant quand quelqu'un veut répondre à une question, qu'on l'empêche de le faire. Alors, le rôle de l'opposition n'est pas de faire des propositions à un pouvoir en place. Vous l'avez dit. Non, s'il vous plaît. Vous l'avez dit. Adrien. Sans critique objective, Adrien. Vous l'avez dit aussi. S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes sur un plateau d'intellectuels. Je le précise.
Je voudrais rectifier d'abord. Je vous ai déjà dit ça. Je voudrais, non, que pour vous, l'opposition n'a pas pour rôle de faire des choses. L'opposition a pour rôle de dénoncer. À part ça, laissez-moi continuer. Oui, mais je ne vais pas vous laisser dire la même chose chaque fois. Vous lui avez donné le temps, donc on passe à un autre sujet. Vous lui avez donné le temps de s'exprimer. Et il a dit des choses qui n'existent pas, qui n'ont pas de sens, justement. Selon vous. Oui, selon vous. Ça n'a pas de sens. Non, selon vous. Nous sommes sur un plateau. On est là pour les analyses. En matière de pensée unique. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Oui. On n'est pas. Est-ce que ne peux pas l'empêcher. Non, je viens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que sur ce plateau, si on devait avoir tous les mêmes sons de cloche, il n'y avait pas de sens d'avoir débat? Oui. Non, c'est son opinion. Vous donnez votre opinion. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Voilà. Donc vous n'avez pas à qualifier de ce qui est dit, n'existe pas. Je voudrais notifier ici à tout le monde. Que vous pensez que. Je voudrais dire. Que vous pensez. Non, vous n'allez pas me prêter les. Mais vous n'avez pas dit que ce que d'autres disent n'existe pas. S'il vous plaît. Oui. Je vais utiliser les expressions qui me semblent adéquates. Oui, allez-y. Alors, en matière de critique, c'est vous en réalité qui jugez de l'objectivité d'une critique ou pas. Ça n'engage que vous. Déjà. Je voudrais aussi dire ici sur ce plateau. Ceux qui nous reçoivent, le rôle de l'opposition là, arrêtez, c'est dans les systèmes dictatoriaux là, que des gens tiennent des propos, non, l'opposition ne fait pas de propositions. Dans quel pays vous avez vu une opposition sérieuse? Le jour que l'opposition commence par compléter les idées du système en place, elle devient en même temps un prolongement du système. En même temps, l'opposition a un rôle, s'il vous plaît. L'opposition a comme mission, allez taper dans n'importe où, dans n'importe quel document. L'opposition politique dans un pays a pour rôle de dire au pouvoir en place ce qui n'arrive pas à faire, de critiquer, de dénoncer et de proposer quoi? Un plan, un projet politique au peuple et non au pouvoir central. Pendant longtemps, on a créé cette confusion dans la tête des gens. Je voudrais rectifier. Dans les pays occidentaux où on voit donnez-moi un exemple de pays occidental. Je ne suis pas là pour opiner. Donnez-moi un exemple de pays occidental où l'opposition se met devant Macron pour dire Macron ou bien écrit. Pourquoi vous voulez écrire la France? Je prends les États-Unis où les blocs sont bien situés, où on voit un démocrate se lever pour dire à celui qui est au pouvoir, voici ce que tu dois faire, voici. Non, on propose un plan, un projet politique à son peuple. Mais lorsque vous dénoncez, vous faites quoi alors? Vous ne donnez pas? Oui, merci lorsque vous dénoncez, vous présentez votre plan politique. Merci à vous. Adrien Tchoumakou. Adrien Tchoumakou, si vous permettez, l'opposition n'a pas pour rôle. Maintenant, vous allez mettre des considérations. Je crois que après... Alors, si vous permettez. Vous ne pouvez pas critiquer les actions de Yahi comme ça, alors, c'est un humain. Si vous permettez. Adrien Tchoumakou, nous avons constaté depuis un certain temps que sur le continent noir se propage un sentiment anti-français. Ce sentiment anti-français donne légitimité à des coups d'État qui sont quand même des choses à dénoncer et à décrier, deviennent des actions salvatrices. Nous avons le cas du Mali, de la Guinée. Nous avons également du Burkina Faso, le Niger, tout récemment, et il y a quelques jours, si je ne sais pas, cette semaine, également le cas du Gabon. Vous, en tant qu'analyste politique, quelle est votre appréhension de tout ce qui se passe là et que prédisez-vous dans la sous-région? Écoutez, la chose la plus mauvaise sur Terre, je pense que c'est le coup d'État. Comment comprendre que... Et dans un État où on parle de la démocratie, et que les militaires vont se lever un jour pour prendre le pouvoir par la force. Donc je pense que c'est à condamner. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est quoi? Écoutez, quand vous faites, vous rappelez de ce qui s'est passé, quand nous prenons par exemple la France, c'est pas la force que Charles de Gaulle a pris le pouvoir. Ce n'est pas la force. Charles de Gaulle avait pris le pouvoir. Il a géré le pouvoir pendant 14 ans. Quand vous prenez même, c'est vrai, l'exemple du Niger, puisqu'il y a Konté qui avait pris le pouvoir aussi par la force, c'est lui qui avait commencé, il a dirigé, on comprend aussi, tout comme par la France, Charles de Gaulle, on a vu que Charles de Gaulle a redressé la France. Quand vous prenez, comment vous appelez ça, même notre pays, le Bénin a subi des coups d'État. Des coups d'État sur coups d'État. On a même connu des présidents de 24 heures. On sait que c'est finalement l'ex-président
le tout-puissant révolutionnaire Mathieu Kérékou, fait Mathieu Kérékou, qui est venu stopper tout ça après avoir pris le pouvoir par la force. Par coup d'État aussi. Par coup d'État. Il a géré le pays et puis finalement, et bon, c'est la démocratie. Quand vous prenez par exemple, comment vous appelez ça, le Ghana, John Rawlings, on sait comment ça s'est passé. Si le Ghana aujourd'hui se développe correctement, c'est parce que il y avait un coup d'État et lui il est venu mettre fin à tout ce qui s'est passé. Mais la chose la plus mauvaise, c'est le coup d'État parce que c'est inadmissible que des gens prennent le pouvoir démocratiquement. Mais là, votre gens... développement, là, comme vous dites, c'est une action salutaire. Non, non, je ne parle pas d'action salutaire. Oui. Je suis en train de rappeler ce qui s'est passé. Oui, des gens qui ont pris, le pouvoir par la force, Et qui ont quand même géré de bon pas. Ils ont géré de bon pas en ce moment. Mais quand nous parlons aujourd'hui de la démocratie, il faut respecter les tests. Le respect des tests, c'est ça qui donne la valeur à la démocratie. Et la démocratie, c'est nous, les professionnels des médias du Bénin, bon, pas Bénin, hein, du monde entier, en Afrique ou en général aussi, qui font de ce que nous vivons en Afrique. En particulier, oui. Écoutez, la démocratie, quelqu'un qui investit des millions, des milliards pour pouvoir être élu démocratiquement, je ne parle pas d'achat de conscience, quelqu'un qui met tout en œuvre pour faire une très bonne proposition, des propositions salutaires, un projet très bien soutenu qui prend le pouvoir démocratiquement, comment on peut se lever un bon matin pour lui pointer une arme et lui prendre le pouvoir? Je pense que c'est à décourager. Mais voici ce que nous avons sous les bras. On a vu le cas de Mali, de Burkina. Et le Gabon. Le Gabon, c'est tout près. Après, on a vu Doumbouya qui a pris de l'autre côté. Après, c'est le Niger. On parle du Niger et un mois, jour pour jour, on a vu le cas du Gabon. Mais je dis que c'est inadmissible. Mais la réalité est déjà là. L'irréparable est fait. Que faut-il faire? Il faut savoir raison garder. Et c'est la raison pour laquelle moi, je dis non et non, à grand jamais non, on ne peut pas en voulant régler des problèmes de développement, agir par la force. On ne peut pas non plus, en voulant rétablir l'ordre public, agir militairement pour pouvoir aller par la force et causer assez de dégâts, des dégâts humains, et se servir des armes, aller en guerre. Je ne soutiens pas en entièreté la CEDEAO. Mais moi, je soutiens le Bénin dans sa position. Le Bénin, c'est un état de droit. Le Bénin respecte les tests. La CEDEAO a mis sur pied des tests. Et quand vous êtes un bon père de famille, quand vous êtes un état sérieux, un état qui est démocratiquement connu de tout le monde, vous devez respecter les tests. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que président d'une organisation Tuwaku, oui, tout à fait. Qui prend l'amour aussi. Qui prend l'amour, qui fait tout alors, ce qui concerne la paix. Habib Arandessi, j'ai quand même une question particulière à vous poser, c'est de savoir. Alors, lorsque l'on voit se propager un peu ces coups d'État dans l'Afrique, est-ce qu'on n'est pas à même d'affirmer, sans risque de se tromper, que la démocratie est en panne en Afrique? Parce que la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. La démocratie, ce sont les élections et le respect des résultats de ces élections-là. La démocratie n'a aucun souci. Et qu'est-ce qui se passe, selon vous? Les hommes qui doivent respecter le contenu de ce système, de cette démocratie, je dirais, qui ont galvaudé, pas des hommes, qui ont galvaudé le contenu, bien même l'expression démocratie. Alors, un pays qui ne respecte pas les décisions de justice, un État qui ne respecte pas les décisions de justice, est un État voyou, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne partage pas les propos de la même. C'est vous qui utilisez vos expressions quand vous parlez d'État voyou. Non, je ne suis pas dedans. Je ne vois aucun État africain dire que l'État africain est voyou. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je reprends les propos du chef de l'État, Patrice Talon, qui dit un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Alors,
nous avons vu notre très cher pays, le Bénin. Ça, c'est une parenthèse. Nous avons vu notre très cher pays, le Bénin. Parenthèse en lien avec la question du Bénin. Oui, toujours, oui. Hein, tourner droit des décisions de justice. Et pourtant, nous sommes dans un État, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce même Bénin, ce même État, aujourd'hui, veut rester fidèle et impose même le respect des décisions de la CEDEAO. Vous allez comprendre. Je pousse la réflexion pour que vous-même, là, vous puissiez faire vos propres analyses. Alors, le sentiment anti-français, je voudrais dire à ceux-là qui nous écoutent, le mal n'a pas d'avenir, quel que soit le temps que ça va durer. Et le système français, l'oligarchie française, le système France-Afrique est un mal. En matière de sous-sort, de sous-développement, d'aliénation, d'assujettissement, je pense que le système France-Afrique est à son 10% à la base de tout ça. Nous ne pouvons pas continuer, nous, notre génération. En tout cas, moi, je fais partie de cette génération donc, aujourd'hui. Et vous voyez tout cela par des coups d'État? Non, je vais vous expliquer les coups d'État. Pourquoi les coups d'État? C'est vrai que le coup d'État est un délit dans notre constitution. C'est un crime même, condamné par la constitution du Bénin. Mais nous sommes dans le commun des mortels. Nous sommes au sein des humains. Mais il faut violer la constitution. Non, laissez-moi parler. Non, soit on veut comprendre, soit on veut dire ce qui est, soit on veut se faire semblant à continuer à dire ce qui doit être. Non, moi je vous pose la question. Il y a des règles qui sont fixées avant nous, que nous respectons. Et à cause de certaines circonstances ou bien de certains faits, ces règles tombent en même temps. Et c'est pourquoi nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. Alors, nous ne pouvons pas continuer à vivre sur un continent qu'on clame partout être le continent le plus riche et être encore sous domination de petits pays comme la France. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être plus de 15 pays, tous plus grands que la France, et continuer à utiliser le franc CFA coupé dans un petit village. Ce n'est même pas Paris. Dans un petit village, on ne peut pas continuer à venir sur un plateau de télévision alors que, s'il vous plaît... J'ai une question à poser. Non, on ne peut pas continuer à venir sur un plateau, parler un beau français alors que nous savons que c'est une langue de domination. Et il y en a plein. On ne peut pas continuer à vivre dans un contexte où nos enfants sont obligés de traverser le désert, l'océan, un peu partout pour se retrouver de l'autre côté du monde. Exemple, la France et autres. Alors que nous savons que ces pays-là n'ont rien à vendre, à pas piller les ressources de l'Afrique. On ne peut pas continuer. Je voudrais finir par là. On ne peut pas continuer à accepter qu'un petit pays comme la France intervienne et impose même des décisions politiques liées à nous, nos vies. C'est quand même très grave. Lorsque vous retrouvez dans un contexte où, lorsque chef d'État organise une élection bâclée, vole une élection, confisque les institutions de la République instituées par la démocratie, tue pour rester au pouvoir, envoie en prison pour rester au pouvoir, et que des institutions internationales, comme la CEDEAO et autres, ne disent rien. Vous voulez quoi? Ce président, en réalité, installe-le, s'il vous plaît. Vous posez une question. Ce que vous décrivez, c'est si beau, c'est si agréable à l'entendre, pour ceux qui sont quand même des sympathisants de ce mouvement anti-français-là. Mais, Abiy, est-ce que nous-mêmes, Africains, vous et moi, vous n'avez pas une part de responsabilité? C'est facile de dire aujourd'hui, au 21e siècle, en 2023, que la France, elle, vienne vous piller sans que vous ne soyez complices. Alors, si nos dirigeants sont comme ça, si nos dirigeants paraissent être corrompus, alors quel est le système politique qui favorise cette corruption-là, Abiy Brandissi? Est-ce que vous posez les bonnes questions? Facile de tout le temps pointer l'autre du doigt que c'est lui. Alors, vous boutez aujourd'hui la France dehors pour qui? Alors, merci beaucoup. Je pense que le continent africain, nous parlons du continent africain. Vous voyez comment le débat est déséquilibré. Quand on veut parler de l'Afrique... C'est un débat, il n'est pas s'il vous plaît. Unique. Non, écoutez-moi très bien. Parce que ce combat vous concerne tout le monde. Ce n'est pas un mouvement. Quand j'entends même un mouvement anti-français, je dis les gens n'ont pas encore compris ce qui se passe. On ne parle pas de mouvement. S'il vous plaît, je dis les gens n'ont pas encore compris ce qui se passe. Vous n'avez pas encore compris. Et peut-être ce sont nos enfants qui viendront nous conter peut-être l'histoire. Et là, on aura honte. Vous savez, nous parlons de plus de 15 pays.
africains, plus de 15 pays africains. Et nous parlons d'un petit pays comme la France. Je dis petit pays en matière. Alors, les Africains n'ont aucun souci. Ils n'ont aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Là, s'il vous plaît, si vous ne me laissez pas parler. Non, mais ce que vous dites, Habib Avandessi, des gens nous écoutent, comme vous le dites si bien parfois dans vos interventions. Donc, vous estimez que la France vienne vous piller, la France manipule vos dirigeants et que vous, en tant qu'Africain, vous n'avez aucune part de responsabilité, Habib Avandessi, que vos dirigeants, que vous-même vous amenez au pouvoir, des gens qui hier, lorsque vous prenez un pays de la sous-région, qui hier avaient le même discours comme vous, qui étaient contre les mandats illimités, qui étaient contre des troisièmes mandats, aujourd'hui, eux au pouvoir, viennent faire. Et vous pensez que le système politique n'a pas de faille? Alors, si je peux répondre. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je commence un développement, permettez-moi de finir. Finalement, vous avez donné 30 minutes à... Non, il n'a même pas encore fait 3 minutes. Il n'a même pas encore fait... Allez-y. Vous nous consacrez tout le temps. S'il vous plaît, nous sommes sur le plateau. Lorsque vous vous mettez à parler, je pense que je... Parlez, monsieur Habib. Je ne vous ai pas interrompu. Vous me laissez parler. OK? Je vous écoute. Alors, monsieur Kader... Si on me dit de descendre, je vais partir. Permettez-moi... d'aller toujours au bout de mes idées. Oui, mais allez-y, dans le temps qu'on sinon, vous allez dire quelque chose, c'est-à-dire, vous n'avez même pas, vous ne connaissez même pas le contenu du discours, vous passez à côté de ce que moi je dis. Et ce que vous dites là n'a rien à voir même avec ce que moi je dis. Et c'est là, le fait de me relancer ne me permet même pas de bien développer ce que je dis. Parce que ce que vous dites, je ne vais pas aller dans votre sens parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez vous-même pas. C'est facile de dire, c'est le problème. Écoutez, c'est facile de dire, tel est le problème sans que ça pas de santé. Écoutez-moi, je regarde la caméra. Beaucoup sont ces chefs d'État aujourd'hui qui ne sont pas élus par le peuple, déjà. Et qu'est-ce qui vous amène à justifier, à affirmer cela? Laissez-moi finir. Oui, nous sommes sur un plateau, nous sommes intellectuels. Comme vous le dites, nous sommes sur un plateau très sérieux. Lorsque vous venez dire sur un plateau que des chefs d'État ne sont pas élus par le peuple, qu'est-ce qui vous amène à faire une affirmation de cette envergure-là? Quelles sont les preuves dont vous disposez pour affirmer cela? Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un commence par parler, il n'a même pas fini, vous le stoppez pour dire qu'est-ce qui lui fait dire ça, alors qu'il n'a même pas fini son raisonnement, son argumentation? Non, en fait, je dis, s'il vous plaît, passez la parole à M. Adrien, Adrien Tchoumakou. Vous savez, je comprends un peu, vous savez, Habib Avandessi, les acteurs politiques et de l'opposition en plus. Donc, je trouve très solide sa position. Bon, évidemment, ce qu'il voudrait faire ressortir, c'est quoi? Pour ma petite compréhension, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui amène les militaires à faire les coups d'État dans un État? Il faut avoir le courage de le dire. Mais je vous pose, puisque vous allez me permettre quand même de vous relancer, je vous pose la même question que je lui ai posée. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Africains, nous allons nous dire que la faute est entièrement à la France sans reconnaître notre part de responsabilité? Est-ce que les Africains eux-mêmes n'ont aucune part de responsabilité? Est-ce que la démocratie, elle est bien adaptée pour l'Afrique? Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, dans notre expérimentation de la démocratie, est-ce que nous nous taillons des tests en fonction de notre sociologie et de nos cultures? Monsieur Kader, vous avez posé une série de questions qui sont d'ailleurs les bienvenues. D'abord, je voudrais vous dire quoi? C'est que, en réalité, la démocratie n'est pas adapté à l'Afrique. C'est ça la vérité. Écoutez, quand vous prenez les États démocratiques, vous payez les monarchies, les royaumes. D'abord, la question que vous devez vous poser, ces États-là, parmi ces États, quels sont les États les plus développés? Ce sont les royaumes, ce sont les monarchies. Le Maroc, par exemple, par rapport au Bénin. Il n'y a pas photo. Le Maroc, nous parlons de l'Afrique. Le Maroc, vous pouvez me dire par exemple que... La Libye au temps de Kadhafi. La Libye, vous voyez, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. La Libye, le guide libyen, Mohamed Kadhafi, comment il a révolutionné son pays. Il voulait même que nous ayons... Et il est parti aujourd'hui, il semble que le pays se porte très bien. Vous voyez les conditions dans lesquelles il est parti. Moi, je ne vois même pas la France dans ses départs, les trucs et qu'on sort. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est quoi? Quand vous prenez par exemple les États-Unis,
pas les États-Unis, excusez-moi, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un État démocratique. C'est un État démocratique, mais l'Afrique du Sud n'utilise pas le franc CFA. En fait, ce sont les inquiétudes de mon vis-à-vis. Je vais parler de Randesi. L'Afrique du Sud, les pays qui se développent aujourd'hui en Afrique, nous pouvons parler par exemple de l'Afrique du Sud, on peut parler du Ghana, on parle aussi de Nigeria, hein, qui font l'expérience de la démocratie, de l'alternance au pouvoir, qui se développe, mais en réalité, ils n'utilisent pas le franc CFA. Et si vous avez bonne souvenance, vous devez vous en rendre compte que Patrice Talon avait voulu que la CEDEAO ait une monnaie unique. Ce qui ne peut pas être la réalité avant que constitutionnellement, Patrice Talon ne quitte le pouvoir. Vous voyez un peu ce que j'ai dit? Parce que quand vous êtes soumis au franc CFA, il faut dire les choses, appeler un chien, un chat, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi les coûts d'État se multiplient? C'est d'abord parce que dans certains États, les règles ne sont pas respectées. On change par moment les règles au cours du jeu. Lorsqu'on parle de coûts d'État, on parle de règles qui ne sont pas respectées. Adrien Tchoumakou, j'ai une question. On parle de la sécurité. La sécurité oui, dans ce pays. J'ai une question particulière. Les gens qui ne mangent pas bien, il n'y a pas le hautement social. Là, il y a au Bénin, il y a le hautement social, non? Justement. Le hautement social est au Bénin. Encore que dans d'autres États, c'est presque la souffrance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que même si nous entrons aujourd'hui dans la France de Emmanuel Macron, il y a des raisons fondées pour lui faire un coup d'État? Lorsque nous allons par exemple chez Joe Biden, il y aura des raisons fondées pour lui faire un coup d'État. Je vous ai dit, dans les années 60, par exemple, ça va vous tenir, dans les années 60, le Bénin est plus développé plus que la Chine. Allez vous renseigner. Non, pas dans les années 60. Le Bénin est plus développé plus que la Chine. Allez vous renseigner, c'est selon l'histoire, ce que moi j'ai lu. Non, pas selon l'histoire. C'est selon quoi? Adrien Tchoumakou. C'est quand? Adrien, si on s'écoute. C'est ce que moi j'ai lu. Alors très rapidement, avant que je revienne. Bien avant les années 60, tout au moins, le Bénin est plus développé plus que la Chine. Alors aujourd'hui, au plan mondial, la Chine est vraiment puissante. Donc, c'est pour vous dire quoi? Oui, est-ce que conclure. La Chine aujourd'hui, la Chine pratique la démocratie? La réponse est non. Et non. Merci. Ah, mais honnête, je si pense veux... que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Voilà. Moi, je le dis et je vais toujours le dire. Avant, mais aller à Dahomey, à Abomey, ce n'est pas les royaumes. Vous avez suivi on tout a des rois. Vous avez suivi tout à l'heure avec votre vis-à-vis qui disait que écoutez, la démocratie... Écoutez, ce que vous allez dire aussi, c'est quoi? Merci. Boni Yayi, à un moment donné, il avait prôné la dictature du développement. Voilà, c'est merci. C'est parce qu'il a compris que la démocratie ne marchait pas. Merci pour ce rappel. Vous avez parlé de Boni Yayi. J'ai une question particulière pour Boni Yayi, vous concernant, puisque vous avez évoqué son nom à deux reprises. Alors, Habib Anessi, je me retourne vers vous. Enfin, j'espère que vous allez parler cette fois-ci. Alors, vous avez suivi votre vis-à-vis qui estime que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Alors, les coups d'État qui se font de part et d'autre posent une problématique. On constate que la plupart de ces chefs de junte au pouvoir qui sont applaudis aujourd'hui étaient de hauts confidents, des dirigeants déchus. Est-ce que ça ne pose pas le problème de la sécurité de nos présidents de la République? Est-ce que désormais nos chefs d'État auront toujours confiance à l'armée républicaine ou feront appel à de l'aide extérieure pour leur sécurité? Alors, un chef d'État sérieux, proche de son peuple, qui subit un coup d'État, le peuple va réclamer son rétablissement immédiat. Ah bon? Un chef d'État sérieux, qui est proche de son peuple, lorsqu'il y a un coup d'État, le peuple va se lever et réclamer rapidement son rétablissement. Ils ont tenté de réclamer ça au Niger, ça n'a pas marché. Hein. Je peux parler. Allez-y. Voilà. Nous sommes dans un contexte où vous dénoncez les coups d'État armés, les coups de force. Mais vous oubliez sur quel terreau, sur quelle base, dans quelles conditions ces coups d'État ont lieu. Quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte? Pourquoi ces coups d'État? Et regardez les pays où il y a coups d'État. Observez bien ces pays.
même si les coups d'État ne présentent pas le même visage. Parce que c'est trop facile de mettre tous les coups d'État dans le même panier et d'analyser. En voilà. Fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, partout au monde, dans n'importe quel pays, même le Maroc, il estime être prospère, il y a aussi des raisons, oui, des raisons fondées pour faire un coup d'État, probablement. Oui, laissez-moi finir. Oui. Lorsque vous prenez le Gabon, vous trouvez normal. Je ne justifie pas le coup d'État. Moi, personnellement, vous connaissez ma position. Je suis un démocrate. Quand on dit démocratie quelque part, là, j'ai toujours dit c'est le meilleur système humain qui existe pour le moment. Parce que quand on dit le coup d'État, le meilleur système humain qui existe pour le moment, le meilleur système politique humain qui existe pour le développement, c'est-à-dire c'est le meilleur qui existe pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on dit par exemple, un exemple. On dit le Bénin, on dit l'Afrique, la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique. Prenez l'exemple du Bénin. Le Bénin a tout expérimenté en matière de système. Le Bénin a tout expérimenté. Quand on dit, bon, démocratie, ce n'est pas adapté. Donnez-moi un exemple d'autres systèmes que le Bénin n'a pas expérimenté et que ça a échoué. Le seul système qui est resté dans le temps et qui nous permet, vous et moi, de nous mettre sur un plateau et de faire des critiques, de faire des analyses, c'est la démocratie. Et c'est d'ailleurs pourquoi quand un chef d'État vient au pouvoir et commence par donner des coups de patte aux acquis, je dis ça pose un problème. Ce n'est pas la démocratie qu'il faut attaquer. C'est plutôt un individu ou bien un groupe d'individus qui décide de confisquer le pouvoir d'État. Si la démocratie nous permet, nous autres, de parler sur un plateau de télévision et que M. Adrien finit de parler, il fait des critiques, on envoie la police le prendre. C'est la démocratie ? C'est la démocratie qui pose problème. La démocratie vous permet, vous autres, de parler. Est-ce que la démocratie qui promeut la liberté fait que tout est permis de dire ? Qui vous a dit que tout est permis ? Qui vous a arrêté ? Oui, parce que vous estimez que parce que vous avez dit que... La Constitution ne donne-t-elle pas le droit à un individu, à un citoyen qui est allé aux urnes pour voter pour un président, de le critiquer ? C'est-à-dire de critiquer même ses orteils. La Constitution ne donne pas... Ah bon ? Oui. Donc, il dit qu'il a de grosses... S'il vous plaît, n'exagérez pas. Combien de fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes Africains. Cher ami Kader, vous êtes un journaliste. S'il vous plaît. Est-ce qu'au nom de la démocratie, vous avez critiqué les orteils, la tête de quelqu'un? S'il vous plaît. Moi, je me pose toujours, quand vous dites certains jours, je me pose toujours la question. À quel moment un Béninois est allé sur un plateau de télévision, quelque part pour dire, Talon a une longue tête, Talon a de longs pieds. S'il vous plaît, je donne un exemple. Vous n'allez jamais, moi je n'ai pas encore trouvé ça. Pour vous dire quoi, les critiques dont il s'agit, je peux dire que le président de la République, tout le monde a faim dans le pays, et pourtant, lui portant les beaux habits, c'est une critique d'un citoyen, et légitime. Ah bon? Oui, c'est légitime, c'est son ressenti. Merci. Mais si on le fait, on n'arrive pas. Les gens nous suivent, ils suivent les débats, mais ils n'arrivent pas Mais là, vous répondez à ma question. Non, ils n'arrivent pas à tirer la substance essentielle de ce que nous disons. Il faut éduquer ce peuple à comprendre et à connaître son rôle. On n'est pas dans un royaume. Et quel est le rôle du peuple? Écoutez-moi, laissez-moi finir. Oui, je vous ai posé une question. On n'est pas au sein d'un royaume. Chaque fois que vous voulez parler, vous dites... On est en Afrique, on a des réalités. Les réalités que nous avons en réalité n'ont pas de rapport avec une royauté ou bien une autocratie. Non, nous avons fini la part des rois. Où le roi Béhanzin peut se lever pour dire... Vous êtes d'accord pour ma question? Je finis pour dire, si ces coups d'État, malgré qu'ils soient condamnables, si ces coups d'État conduisent toute l'Afrique francophone à se libérer des chaînes de la domination française, de l'oligarchie française, alors nous saluons ces coups d'État. Ça, c'est votre opinion. Oui. Alors, Adrien, tu vas si ces coups d'État, malgré qu'ils soient condamnables, si ces coups d'État sauvent l'Afrique, nous permettent désormais d'avoir notre monnaie, notre langue et notre armée, je pense que il faut saluer. La belle preuve, monsieur Adrien tout à l'heure, il saluait. Vous l'avez indirectement dit. Le Ghana doit, s'il vous plaît, je finis. Le Ghana doit son image de label aujourd'hui de pays en Afrique à Jerry Rawlings, n'est-ce pas? Et plein d'autres pays
qui sont, c'est-à-dire plein de chefs d'État qui ont redressé les... Mais quand vous parlez même de la Chine, Mao qui est la base même du développement de la Chine. Mao a pris le pouvoir. Mais au moment où c'était président, oui. Quelles étaient les opinions des uns et des autres? Mais, non, c'est... Il était applaudi quand il était président? Non. Mao c'est tout lorsqu'il était président? Non, vous rentrez dans... Non, je vous pose juste des questions. Quand on mélange les débats comme non, ça... Non, c'est pas un débat mélangé. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai dit, si... Le coup d'État est un crime en République du Bénin et nous condamnons ce coup d'État. Mais si ce coup d'État, si ces coups d'État, il y a eu coup d'État, si ces coups d'État, si ces coups d'État libèrent, non, si je vous, je, non mais quand même, on ne s'écoute pas, s'il vous plaît. Le fait d'applaudir un coup d'État en République du Bénin, même si ce coup d'État est en Chine. Le fait de l'applaudir en République on n'a pas applaudi ça en Bénin. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez me laisser parler. Personne n'a applaudi le coup d'État. Des pays de la sous-région africaine. Merci à vous, chers invités. Un dernier tour de table pour conclure. Tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de l'ancien président Thomas Boniaï. Vous avez été quand même un acteur dans son système lors du régime défunt, celui du président Boniaï. Alors, dans la crise qui nous oppose actuellement avec le Niger, où la frontière est fermée, vous aurez pensé que le président Boniaï aurait pris quelle décision en son temps, s'il était au pouvoir aujourd'hui? Si Boniaï était au pouvoir, moi je pense que... Il allait bafouer la CEDEAO? Non, pas du tout. Écoutez, vous avez lu, je pense, la réaction de Boniaï sur sa page Facebook. Et je pense que c'est vraiment légitime. Ce sont les paroles d'un opposant, d'un vrai opposant. C'est pas l'ancien président de la République? Boniaï. Est-ce que dans ce message, vous lisez l'ancien président de la République ou l'opposant politique? Dans son message, je suis en train de lire l'opposant Boniaï, ancien président de la République du Bénin. Écoutez, quand vous faites vous sentez lecture, qu'il y a un brin d'ancien président de la République dedans? Vous dites? Vous sentez qu'il y a un brin d'ancien président de la République dedans? Il y a un brin d'ancien président de la République, d'autant plus que dans sa déclaration, il demandait à ce que tout au moins qu'on ouvre les frontières. Qu'on ouvre les frontières, c'est un opposant, mais... Il pense quand même que, et ça se fait déjà, c'est un coup. Je pense que Patrice Talon a compris, et il a écrit à la CEDEAO, et compte tenu du couloir humanitaire qui doit s'ouvrir, parce que ça s'impose au gouvernement béninois, c'est les Nations Unies qui ont envoyé de l'aide humanitaire, le Bénin aussi participe, donc il faut quand même que l'ouverture soit effective. Le Bénin a ouvert ses barrages, il ne reste que le Niger, pour que tout se passe très bien. Je pense que ça va se réaliser. C'est vrai, en parlant des exigences du Niger, on a compris que pour le Niger, c'est qu'on veut ouvrir ce couloir pour pouvoir, à un moment donné, faire aussi passer des armes. Mais c'est au regard de tout ça que la hiérarchie militaire a donné de fermes instructions pour que les militaires qui sont en position à Pemberekè fassent un repli tactique. Ça se fait depuis le dimanche. Je pense quand même qu'il n'y a plus péril en la demeure. Il n'y a plus péril en la demeure. Très rapidement, pour finir, c'est le soir de pour conclure. De tout un chacun de nous. Et il faut que ceux qui sont de l'autre côté du Niger puissent avoir des vivres, manger correctement, vivre correctement. Le Niger et le Bénin, c'est des pays frères. Il n'y aura pas la guerre. Hein, ils vont s'entendre et tout va bien se passer. Quelle est votre expérience? Nous continuons à condamner le coup d'État. Merci. Quelle est votre expérience? La chute au pouvoir, c'est un crime. Honnêtement, je le dis, vous savez mon franc-parler. Ce plateau, j'ai été frustré. Je suis frustré. Parce que durant tout le temps, durant tout ce débat... Frustré de ma présence, c'est ça? Non, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est la frustration, ça. Lorsque vous étiez en train de parler, je ne vous ai pas interrompu. Voilà. Donc, chaque fois quand je prends la parole, chaque fois quand je développe une idée, vous m'arrêtez. Et c'est frustrant. Alors, je voudrais dire, le sentiment ou le mouvement, entre griffes, j'utilise vos expressions, anti-impérialisme, anti-colonialisme, anti-France, anti-France-Afrique, ce sentiment doit être partagé de tous. La vie de nos enfants en dépend. Et si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser en masse et dire non aux intérêts français, et que des groupes d'individus se lèvent pour dire désormais stop, nous les encourageons à aller jusqu'au bout.
Nous ne libérons pas l'Afrique pour la remettre à une autre puissance, non. Mais qu'on soit considéré, nous nous battons pour une certaine dignité. Si on doit collaborer avec la Chine, la Russie et d'autres pays, que ça soit une collaboration humaine, que ça soit une collaboration digne, qu'on considère comme des humains et non comme des colonies ou bien comme des esclaves. Je finis pour dire également à nos représentants, à nos dirigeants, la rentrée a commencé, il y a de sérieux problèmes. Vous voulez parler des démocrates? S'il vous plaît. À nos dirigeants, ceux à qui nous avons remis le pouvoir et pour qui nous cotisons au quotidien. La rentrée a commencé, prenez vos responsabilités parce que la vie des milliers d'enfants eh bien, est en jeu. Merci, j'ai fini. Je ne vais pas rendre ici. Là, je ne vous ai pas arrêté. Hein. Je suis d'accord que Bénin aujourd'hui, les journalistes ne sont plus suffisamment libres. Est-ce que vous ne voyez pas que dans le conflit au Niger, la CEDEAO joue sa crédibilité? Mais écoutez, la CEDEAO joue sa crédibilité en quoi? Vous voulez rentrer dans d'autres débats? Sinon, je vais descendre cette CEDEAO. En fait, en disant quoi? Oui, elle ne joue même pas. Elle a quelle crédibilité à jouer? Une CEDEAO qui a encouragé des chefs d'État à se maintenir au pouvoir, à s'éterniser au pouvoir. La CEDEAO n'existe-t-elle pas, ne connaît-elle pas le cas du Togo, de plusieurs pays où on révise la constitution, on se maintient au pouvoir, on envoie des opposants en prison et en exil? Quelle CEDEAO? Vous parlez de quelle CEDEAO? Et c'est là le réel problème. Vous savez, s'il vous plaît. Laissez-le finir d'abord. Si nous étions dans un autre contexte, vous avez constaté que même au Niger, au début, les gens étaient dubitatifs par rapport au coup d'État. Il y avait des gens qui étaient juste au milieu, ils n'étaient pas trop d'accord, ils n'étaient pas trop pour. Mais quand la CEDEAO et la France ont fait sortir leur communiqué, vous avez vu la liesse populaire. Les gens ont commencé par apporter tout leur soutien à la junte au pouvoir. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que cette CEDEAO n'est plus épousée par ce peuple africain. Et donc la crédibilité dont il s'agit, c'est que la CEDEAO commence par prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses chefs d'État qui font des coups d'État institutionnels au quotidien et qu'elle soutient. Merci à vous, Abibé. Très rapidement. Très rapidement. En une minute, max. En une minute, c'est toi-même. Max, oui. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la CEDEAO a des tests. Si vous voulez que la CEDEAO intervienne directement dans la gestion d'un pays, d'un président qui n'est pas déçu, là, il faut réviser les tests de la CEDEAO. Parce que les tests de la CEDEAO disent certaines choses. Et c'est ça qui se respecte. Si vous vous rappelez, en lisant le contenu des tests, vous devez vous en rendre compte que ce sont les États démocratiques qui se sont réunis pour constituer la CEDEAO. Je peux vous demander quelque chose? Merci. Quelle est la légitimité d'un chef d'État? Merci à vous. Quand on dit qu'un chef d'État est légitime, c'est quoi? Je suis quand même pris par le temps qui nous était parti. Je crois que... Je crois qu'on va finir le débat en dehors du studio. Merci à vous, chers amis. C'était Alain Boucan, Info-Endo, avec Habib Arendessi, qui est jeune acteur politique et militant au sein de l'opposition. Il était face à un analyste politique, chroniqueur politique, Adrien Tchoumakou. Chers amis, c'était à l'instant Info Hebdo. On se retrouve demain pour l'invité. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur EZAE TV.